À présent, ce plaidoyer en faveur de la vaccination, un atelier régional a réuni à Ouagadougou des professionnels de la santé et des représentants de la société civile pour promouvoir la prévention des maladies. C'est une initiative du réseau d'accès aux médicaments essentiels en collaboration avec le ministère en charge de la santé. Moumouni Wanga. Sauvegarder la vie des populations, c'est dans cet élan que sont ici rassemblés leaders d'opinion, acteurs d'organisation de la société civile et de structures professionnelles. C'est un plaidoyer qui se mène en faveur de la vaccination, considérée comme moyen essentiel de prévention des maladies. Vous êtes sans ignorer que les défis de nos systèmes sanitaires, c'est vraiment contre les maladies à potentiel épidémique. Et la COVID-19 a été c'est pas une expérience mondiale qui éprouve les systèmes de santé et il faille la vaccination pour pouvoir lutter contre ces maladies à potentiel épidémique. Et vous avez assisté le rejet de la population contre la vaccination à COVID-19 alors que nous ne pouvons pas venir à bout donc de ces maladies à potentiel épidémique sans la vaccination. Le réseau accès aux médicaments essentiels contribue énormément à la promotion de la santé pour tous dans la région du centre. Il était tout à fait normal que les autorités régionales les accompagnent dans cette noble mission. Cette rencontre dans la région du centre intervient après celle des hauts bassins, du centre ouest, du centre sud et du plateau central. À l'issue de cette formation de 3 jours, les participants sont censés être mieux outillés pour mener à bien la sensibilisation auprès des populations pour une bonne adhésion à la vaccination.